Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. On se retrouve encore aujourd'hui pour votre lecture quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2019. Donc, je vous laisse déjà choisir la carte ou le paquet qui vous interpelle et je vous reviens dans quelques secondes pour la lecture de votre carte choisie. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier paquet, vous avez la carte du 8 d'épée. Alors, ce que je vous dirais, mes chers amis, pour cette carte, c'est de vous libérer de vos pensées négatives. Accueillez la lumière. Vous voyez sur cette carte, la dame a un bandeau sur les yeux. Alors, enlevez le bandeau de vos yeux. Vous en êtes capable. Vous, regardez, sur celle-là, sur cette carte-ci, on voit que vous êtes, vos mains sont libres. Alors, enlevez le bandeau que vous avez de vos yeux. Essayez de voir la situation dans son ensemble avec vérité. Souvent, on a des pensées qui ne sont pas fondées. On se crée nos propres pensées, nos propres idées sur une certaine situation. Alors, faites attention à cela. Accueillez la lumière pour vous permettre de voir la situation telle qu'elle est et de vous libérer de vos pensées négatives, mes chers amis. Nous sommes en début d'année. Alors, essayez de faire cet exercice-là tous les jours de votre vie pour vous permettre de vivre une vie meilleure. Vous savez, la santé mentale, souvent, c'est des pensées qu'on se crée quand on est en mauvaise santé mentale. Donc, faites attention à ça. Prenez soin de vous. Et tant que vous n'êtes pas devant des faits, alors ne vous créez pas de pensées négatives, mes chers amis. D'accord? Donc, méditez sur cette carte-là. D'accord? Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, on a la carte du 7 de coupe. Alors, je vous dirais, mes chers amis, que si dans votre vie, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, essayez de choisir avec votre cœur et votre désir profond. Choisissez par un choix, faites un choix parmi tant d'autres, parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup de choix qui s'offrent à vous. Et la meilleure façon de faire, c'est de choisir une chose et de vous concentrer sur celle-ci, d'accord? De ne pas vous laisser distraire par les autres choix qui sont devant vous pour être à même de mieux exploiter ou mieux explorer ce choix que vous avez fait, d'accord? Donc, choisissez avec votre cœur et avec votre désir profond et c'est comme ça que vous allez faire le meilleur choix pour vous. D'accord? Et pour ceux finalement qui ont choisi le troisième paquet, bien vous avez la carte du 9 de coupe. Alors, c'est une très belle carte également. Donc, vous avez travaillé fort pour arriver où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Vous avez peut-être une certaine abondance. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc, maintenant, c'est le temps pour vous de profiter de la vie en bonne compagnie. Essayez de vous amuser un peu à travers votre travail là, que vous faites avec parcimonie pour arriver à une stabilité. Bien, pensez à vous amuser également et à partager ces moments de bonheur en bonne compagnie avec vos amis, avec votre famille. D'accord? Donc, méditez sur ça, mes chers amis, de profiter des plaisirs de la vie également. Donc voilà, c'était vos messages pour aujourd'hui 2 janvier. Je souhaite que ça vous a éclairé un peu et que vous allez méditer sur ces messages-là qui sont bien importants pour vous. Donc je vous souhaite une très belle journée, mes chers amis. On se retrouve demain pour d'autres tirages quotidiens. Merci, au revoir.